il emmenait chez lui à la maison. Mais il ne lui disait pas, il ne lui a pas dit qu'il était marié. Parce qu'il y a des hommes mariés, il faut savoir, il faut être, c'est-à-dire qu'il faut, il faut être dans la réalité. Il y a des hommes mariés, il faut savoir, qui enlèvent leur alliance. C'est-à-dire qu'il y a des hommes mariés là, quand ils veulent tromper là, ils retirent leur alliance. Et puis ils mettent ça dans leur poche. Ou bien ils mettent ça dans leur voiture. Et puis ils vont sortir avec les filles. Donc ça veut dire que toi, la fille, tu es avec le gars, tu ne sais même pas qu'il est marié. Il ne te dit pas qu'il est marié. Il n'a pas de signe. Rien, il a enlevé son alliance. Donc c'est le cas de la petite. C'est le cas de la petite. Et le gars l'a emmené chez elle à la maison. Donc elle connaissait déjà chez le monsieur. Donc quand la femme, la vicieuse, elle lui a dit, bon, tu viens me rejoindre. J'ai trop envie de voir, tu viens me rejoindre. La petite, elle prend son taxi. Elle arrive là-bas, dans le secteur. C'est un monsieur qui vient l'accueillir. Et le monsieur lui dit, non, mon frère, il est sous la douche. Donc, c'est moi qui suis venu te chercher. Et la petite, tellement naïve, elle a suivi le monsieur. Et elle arriva sur les lieux du crime. Sur les lieux du crime. Elle est arrivée sur les lieux du drame. Elle rentre. Elle rentre, elle est barricadée. Dès qu'elle rentre, on ferme le portail, on ferme les portes, on ferme les fenêtres, tout. La petite ne comprend pas. Elle voit une dame, une rugbymane. Elle voit une rugbymane, une catcheuse devant elle avec ceinture. Et la catcheuse lui dit, toi, c'est toi qui sois avec mon mari. C'est toi qui as couché avec mon mari. Donc toi, tu ne sais pas que c'est un homme marié. Moi, tu vas coucher avec mon mari. Moi, Michel, on ne couche pas avec mon mari. Moi, la femme ne sort pas avec mon mari. Tu sois avec mon mari, soit tu meurs, soit c'est moi qui meurs. Voilà, la petite est mélangée. Elle regarde la femme, elle dit, mais c'est qui ça? La femme là, c'est qui? Elle a retourné une rugbyman. Ça veut dire que sa tenue qu'elle a portée là, sa tenue de maison qu'elle a portée, son shirt qu'elle a porté, avec le t-shirt qu'elle a porté, elle est bancale dedans comme ça. Très bancale dedans. Ça veut dire que ses pieds sont assis. Maintenant, la tatouage ici, ça veut dire que c'est une femme même, elle est d'un gang. Elle est d'un gang. Ça veut dire que c'est une gosse brune même. C'est une gosse zigueille. C'est une gosse zigueille. Elle, Michel, la femme mariée là, c'est une gosse zigueille. C'est dit quand tu la vois là, c'est une gosse noussie. Ça, c'est les filles même là, c'est les filles même. Elles prennent le couteau là. Elles mounou même, on dirait amusement. Ça veut dire qu'elle est pique-pique. C'est comme amusement. Ça, c'est des filles là. Pour aller en prison là, ça, c'est comme bonjour pour elles. C'est rien du tout. Mais c'est les femmes, elles sont mariées. Bon, comme mariage là, on n'a pas visage, on accepte tout le monde. Donc, ça veut dire la petite, la jolie petite fille, quand tu la regardes, même la petite, elle est fraîche comme ça. Quand tu regardes le corps de la petite fille, son corps est bio. Le corps de la petite fille est bio. Parce qu'elle est jeune, elle est encore fraîche. Donc son corps est bio. La petite a porté une petite robe. Mais ça veut dire que quand tu vois la robe, tu vois le lolo de la robe. Entends la titulaire, la rugbyman, la caqueuse. Elle regarde la petite, elle est traumatisée. Elle se dit, mon Dieu, quelle est cette beauté? Quel est ce beau corps? Ah mon Dieu, mon mari m'a eu. Mon mari m'a eu. C'est avec cette belle fille qu'il est sorti. C'est avec cette jolie fille qu'il est sorti. Et elle, en même temps, dans sa tenue de rugbyman, parce que moi, je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas. Tu es une femme mariée, tu vas quelque part avec ton mari, tu es avec ton mari, tu portes des tenues énervantes. Est-ce que ça, c'est des tenues qu'on porte? Bon, même si c'est toi la femme mariée, que tu as piégé la Kiza, elle vient, au moins quand elle vient, elle n'a qu'à te trouver chic. C'est aussi important. Ça, là, c'est important. Oui, bah, on est. C'est-à-dire, les détails comptent. Les détails, ça compte. Ça veut dire quand tu pièges ta Kiza, la Kiza de ton mari, quand la Kiza de ton mari arrive là, qu'elle te voit là, elle n'a qu'à prendre aussi dose. C'est important. Bon, la Kiza, elle vient, tu es arrêté là, on dirait une gougandine, on dirait une catcheuse, on dirait une cambrioleuse, arrêté avec une tenue bizarre, le short même, on ne sait pas si c'est palaqué, c'est pas palaqué, tu es arrêté là comme ça. Bon, la petite, elle vient. Tu vois sa robe, tu vois le lolo de la petite fille. Toi-même, tu es traumatisé. Les seins de la petite fille, là, c'est arrêté comme ça. C'est gros, gros comme ça. Bon, toi-même, qui es la femme mariée, là, qui a piégé la petite fille, là, ta tenue même que tu as portée est énervante. Maintenant, tes seins même qui sont dans la bille, on dirait des virgules. On dirait des virgules. La petite fille vient, tu regardes la petite fille. Ses seins, on dirait papaye. On dirait papaye dans sa robe. Toi, qui es la femme mariée, là. Toi qui es la titulaire là, tes seins ont des virgules dans le t-shirt là. Tes seins sont en virgule comme ça. Ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? Non mais franchement c'est quoi ça? Non mais est-ce que vous voulez pas que vos maris vous trompent? Vous voulez pas que vos maris vous trompent? Mais vous-même là vous vous comportez comment pour que vos maris ne vous trompent pas? On a quand se dit la vérité? On a quand se dit la vérité? Tu es devant ton mari, tu es habillé comme ça. Tu es devant ton mari, tes seins là sont en virgule comme ça dans ton habit. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as piégé la Kiza, mais la Kiza même qu'elle est venue là, est-ce qu'elle a pris dose sur toi? Est-ce qu'elle a pris dose sur toi? Moi, je vous dis toujours, vous les femmes mariées là. J'ai dit,
Donnez toujours cette impression d'être belle, d'être coquette, même chez vous à la maison. Même chez vous à la maison. Parce qu'une femme, qui piège la tisa de son mari, ça veut dire que cette femme-là, si elle n'a pas eu en tête de se rendre un peu coquette, de se rendre un peu belle, c'est que c'est une femme à la base qui se néglige. C'est une femme à la base qui n'est pas coquette. Il faut qu'on se dise la vérité. Parce que quand tu n'es pas coquette, en fait, tu ne fais pas exprès. Tu ne fais pas exprès. Tu es délaissé tout le temps. Tu ne réalises même pas que celle qui va venir là, c'est quelqu'un qui est sorti avec mon mari. Donc quand elle va venir, il faut qu'elle trouve une belle femme. Il faut qu'elle trouve une femme coquette. Toi, tu ne te dis pas ça. Parce qu'à la base même, tu es une femme, tu te négliges. À la base, tu es une femme, tu te négliges. Bon, la petite fille vient. Tu regardes la petite fille dans sa robe. Quand tu as vu les lolos de la petite fille, toi-même, la femme mariée là, la titulaire, tu es en dirait rugbyman, tu es cacri comme ça, tu es carré comme ça, tes épaules là sont solides comme ça. On sent que tu as fait beaucoup de bagarres dans ta vie. Mais la petite fille frêle là, toi et tes parents, vous êtes full dans la maison comme ça. Et puis la seule petite fille au milieu de vous, et puis toi, tu as une ceinture en main. Genre, tu es en train de frapper la petite fille. Ça veut dire qu'on est arrivé où là? On est où? Au nom de quoi? Parce que tu es une femme mariée, donc parce qu'une femme est sortie avec ton mari, tu penses que tu as le droit de tabasser cette fille là? Tu penses que tu as le droit de piéger cette fille? Tu penses que tu as le droit de séquestrer cette fille? Mais pourquoi? Au nom de quoi? C'est toi qui vas faire justice? Ou bien coucher avec ton mari là, ça veut dire qu'elle a, elle a commis un péché? Et même si elle commet un péché, c'est toi qui vas la punir? C'est toi qui vas la séquestrer? C'est toi qui vas l'humilier? Ça veut dire que toi, une femme, tu es mère, tu as eu enfant, tes entrailles, l'enfer est sorti de là. Toi-même, tu es une femme, ton corps qui est là, tu sais que c'est sacré. Ta camarade femme, tu la mets nue et tu dis à quelqu'un, faut la filmer. Et tu es en train d'humilier la petite fille. Et il y a des gens qui sont en train de la filmer. Moi-même, ce qui me choque même plus, c'est que tout ce qu'elle était en train de faire, c'était en présence de son mari. Son mari était là. C'est pas pour dire que oui, le monsieur n'était pas là, et puis elle a maltraité, elle a séquestré la petite fille. Son mari était là. Il était dans une pièce, il entendait tout, il voyait tout. Il n'a même pas réagi. Il a laissé cette femme-là maltraiter la petite fille. Il a laissé cette femme-là humilier la petite fille, frapper la petite fille. Mais est-ce que vous réalisez un peu une petite fille qui se retrouve au milieu de plusieurs personnes? On dirait des animaux. Ça veut dire qu'elle est en train de maltraiter la petite fille et puis il y a des gens qui sont arrêtés à côté, qui sont en train de rigoler. Qui rigolent. Ça veut dire que ça, c'est le côté animal. Quand le côté animal ressort chez l'homme, là, c'est comme ça qu'il se comporte. Parce que toi, un être humain qui va à l'église, qui croit en Dieu, tu ne peux pas t'arrêter là. Et puis, quelqu'un est en train de maltraiter l'enfant de quelqu'un. Quelqu'un est en train d'humilier l'enfant de quelqu'un. Et puis, ça te fait rire. Pourquoi? Parce que vous êtes en Afrique là-bas, on vous donne les 10 000, les 20 000, vous n'avez rien à dire. Vous mendiez. Donc, si vous dites à cette femme-là, à cette Michelle, cette rugbyman carrée-là, si vous lui dites que ce qu'elle est en train de faire n'est pas bon, elle ne va plus vous donner les 10 000, les 20 000. Donc, vous êtes là, vous regardez et puis vous rigolez. Mais c'est quoi ce comportement? Et ce monsieur même pour qui même on a maltraité la petite fille-là, c'est qui même? Parce que c'est ça aussi. C'est qui? Il y a des hommes-là, ce n'est pas des hommes. Moi, c'est ce que je vous dis toujours. Il y a des hommes-là, c'est des gonzesses. Eux-là, ils sont des hommes, mais ils ne sont pas des vrais hommes. Eux, dans leur foyer, là, femme, ça assoit sur elle, sur eux. Ça veut dire que cette fille Michelle-là, cette femme Michelle-là, elle, son mari-là, c'est elle-même qui s'assoit sur lui. C'est elle-même qui le frappe. Par la façon, elle est là. Est-ce que vous avez vu le coup de poing qu'elle donnait à la petite? Est-ce que femme donne coup de poing comme ça? En tout cas, c'est-il la vérité? Ça, c'est beau garçon, ça. Ça, c'est femme garçon. Elle, Michelle-là, la femme mariée-là, c'est une femme garçon, ça. Parce qu'une femme, quand elle se bat, on sent un peu de féminité dans sa bagarre. Mais elle, les coups de poing qu'elle donnait là, c'est un homme ça. Ça, c'est un homme. C'est un homme qui donne coups de poing comme ça, c'est pas femme. Et toi, l'homme, tu es là, tu dis rien. Tu es quel genre d'homme? Des plaisantins comme ça. C'est-à-dire que quand je pense que nous, les femmes, on se laisse avoir par des plaisantins. Des plaisantins qui nous manipulent, qui font qu'on se fait du mal.
on devient des monstres sans même nous en rendre compte. Alors que les vrais dangereux même là, c'est-à-dire que les vrais coupables là, ce sont les hommes là, nos hommes là, c'est eux les vrais coupables. C'est eux les vrais coupables. Pourquoi t'entends à une fille qui est sortie avec ton mari? Pourquoi? Même si cette fille-là sait que tu es mariée, mais tu t'en prends à elle pourquoi? Tu t'en prends à elle pourquoi? C'est elle qui est venue draguer ton mari dans ta maison? Ton mari là, c'est elle qui est venue le trouver dans la maison pour draguer? C'est ton mari même qui l'a croisé dehors et puis il l'a dragué? Et puis il l'a dragué sur les réseaux sociaux, ils se sont vus jusqu'à il allait coucher avec elle? Donc c'est ton mari là qui est le problème? Pourquoi même? Ça veut dire que moi je ne comprends pas. Toi une femme mariée, ton mari t'a trompé, au lieu de t'en prendre à ton mari, tu t'en prends à la femme qui est dehors, à la Kiza qui est dehors, elle a quoi avoir dedans? Elle a quoi avoir dedans? Si c'est une Kiza qui n'est pas discrète, si c'est une Kiza qui t'a nargué, si c'est une Kiza qui est impolie, je peux dire bon, tellement que tu as été frustré, tu t'es pas contrôlé. Mais la petite fille même là, elle-même n'était plus dans relation là. Relation ça, elle-même n'était plus dedans. Ça l'intéressait plus. Parce qu'elle a su que le monsieur était marié. Elle était passée à autre chose. Mais comment est-ce que, parce que cette femme-là est sortie avec ton mari, cette fille-là est sortie avec ton mari, tu ramènes l'histoire et tu vas la maltraiter. Tu vas la séquestrer pendant 2 jours. Elle ne mange pas, elle ne boit pas. Tu la frappes seulement. Tu la droites. Ben, cette femme-là, de la façon elle est zigli, de la façon elle est cacli, là, de la façon elle est bancale comme ça, là, façon elle est arrêtée, on dirait garçon. Elle, ses habits, son habit qu'elle a porté, son shirt qui était sur elle, bancale comme elle-même, là. Elle, son t-shirt qu'elle a porté, là, le t-shirt là-même, là, dessus, là, c'est Mickey. C'est pas Mickey, oui, c'est Mickey, c'est le dessin de Mickey même qui est sur son habit, là. Dessin de Mickey qui est sur son habit. Dessin, toi, c'est-à-dire que toi, une femme comme ça, toi, une femme aussi brute, toi, tu as porté habit de Mickey. Tu vois pas Mickey dans les dessins animés là, tu vois pas comme ces trucs des enfants, c'est doux. Toi, tu as habit de Mickey sur toi, et puis tu as comportement de gars à la montagne. Tu as comportement de bandit, même gangster. De gangster. Hein? C'est-à-dire que cette femme-là, c'est une vraie vicieuse. C'est une vraie vicieuse. Il y a des femmes mariées qui sont des vicieuses. Il y a des femmes là, c'est des vicieuses. C'est des vicieuses. Parce que quand même elle est en train de frapper la petite fille là, quand tu regardes bien la vidéo là, tu sens même que elle-même là, dans son shirt qu'elle a porté qui était comme Mugouba sur elle là, tu sens même que en bas elle était mouillée comme ça. Tu sens même qu'elle prenait plaisir à faire ça. Quand elle voit la petite fille nue là, ses seins, les seins de la petite fille, on dirait papa, joli seins comme ça, la forme de la petite fille là, belle forme comme ça, la petite est pata. Elle-même la femme mariée regardait la petite là, elle-même son en bas était mouillée là-bas. Son en bas était mouillé, elle était excitée comme ça. Elle était très excitée. Donc tout ce qu'elle est en train de faire là, ça l'excitait. Ça l'excitait, ça a soulevé son clitoris là-bas. C'est devenu long comme ça, on dirait zizi. Oui, c'est une vicieuse. C'est une vicieuse, c'est vicieuse qui fait ça. C'est vicieuse qui se comporte comme ça là. C'est-à-dire que les femmes un peu garçons là. Les femmes un peu garçons qui font les deux là. Elles sont très vicieuses. Elles, là, quand leur mari couche avec une femme là, elles ont envie de coucher avec cette femme là. C'est comme ça, elles sont, c'est leur vice.